Yo Dayo, c'est Sanlin, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de présentation de serveur Minecraft. Cette fois-ci, on a un serveur actuellement en bêta test. Il s'agit du serveur des Ariel, donc un serveur modé avec son propre launcher qui va bientôt arriver, qui est très riche en contenu finalement, parce que c'est un serveur avec beaucoup de modes de jeu, comme par exemple le mode de jeu faction, le mode de jeu mini-jeu aussi. Il y a aussi le mode survie, mode créatif, et bien sûr c'est un serveur modé avec donc pas mal de PNJ dans le serveur, notamment moi, donc ils m'ont ajouté dans le serveur parce qu'il faut savoir que je suis partenaire avec le serveur, donc je suis en partenariat, moi ainsi que d'autres youtubeurs, et il faut savoir qu'il y a moyen de participer à la bêta test, donc le serveur est en bêta, vous pouvez y participer, il suffit d'aller sur le site et écrire votre pseudo, donc je vais afficher ça tout de suite sur l'écran chers amis, écrire votre pseudo donc dans les commentaires. Afin, donc votre pseudo Minecraft, donc en jeu, afin d'avoir une chance de participer à la bêta. N'hésitez surtout pas aussi à rejoindre le Discord du serveur, c'est très important si vous voulez être tenu informé donc de l'avancée, mais aussi donc communiquer vos critiques, mais aussi vos opinions par rapport au serveur, si vous pensez qu'il y a des choses qui sont encore améliorées, ou bien si vous trouvez des bugs à corriger, parce que voilà, le but de la bêta test, c'est d'aider et contribuer au développement du serveur. Et donc, en récompense à vos contributions, vous allez recevoir le grade de bêta testeur à la sortie du serveur, mais aussi le kit spécial bêta test, qui sera disponible tous les 24 heures. Vous aurez une récompense in-game, donc bon. Ça, il va falloir attendre quand le serveur sortira officiellement pour savoir quelle sera la récompense. Bien sûr, lors de l'ouverture donc du serveur Shadow of War, vous allez avoir le grade bêta tester qui vous sera attribué et vous sera attribué une clé mythique. Donc, j'imagine que c'est pour les donjons et donc pour la box mythique pour avoir plus de loot. Donc voilà, genre il y aura beaucoup de récompenses si vous participez au bêta test, à savoir qu'il y a 40 places donc restantes pour la bêta du serveur des Ariel. Regardez-moi un peu le lobby, il est magnifique. Moi j'aime beaucoup les constructions qu'ils ont fait par rapport au lobby. Bah tiens, j'ai activé les nuages, c'est pas très grave. À savoir que voilà, si vous voulez rejoindre le serveur, il faut installer avec le launcher, c'est beaucoup mieux parce que ça installe tout. Le launcher est disponible donc sur le site du serveur, je mettrai tout en description, ne vous inquiétez pas. Il faut savoir qu'il y a aussi un tirage au sort vers le 2 décembre, vers 20h30, un tirage au sort qui concernera le serveur, un concours que vous allez pouvoir y participer finalement quand vous serez dans les bêta tests ou bien quand vous allez rejoindre le serveur. Donc soyez nombreux pour ce tirage au sort. En tout cas, n'hésitez vraiment pas à soutenir le serveur. Je vais vous faire un tour des lieux donc vite fait. Donc là par ici, on a des magnifiques bâtiments, des magnifiques structures. J'aime beaucoup comment ils ont ouais, avec les mods et avec les vaches, bien sûr, avec les ressources pack aussi. Le mod, en fait que je me déplace bizarrement, genre un peu comme ça, un peu d'un côté à un autre. Mais aussi, l'animation donc de nos déplacements est très bien faite. Moi, je trouve que j'aime beaucoup l'animation. Genre, même le saut et tout ça, on a pas mal d'animations de déplacement. Il y a beaucoup de PNJ sur le serveur, mais ça, c'est que le lobby, donc c'est vraiment la zone le point de départ du serveur. Donc voilà, donc un magnifique décor pour ce serveur avec donc pas mal de bâtiments très originaux, mais aussi avec des mods qui permettent de rendre les endroits un peu plus naturels. Et voilà, donc ces posters par-ci par-là qui vous indiquent donc le contenu du serveur. Bon, honnêtement, je trouve que le serveur est très complet et bien travaillé. Ceci dit, voilà, c'est en bêta test, donc il y a encore des bugs à corriger. Le serveur va bientôt sortir, donc voilà, soyez nombreux pour le bêta test. Moi, en attendant, je vous dis au revoir, chers amis, parce que c'est une vidéo un peu courte, finalement, aujourd'hui, pour cette présentation de serveur, vu que je la tourne un peu seul, et le serveur n'est pas encore officiellement sorti, donc je ferai une autre vidéo pour présenter le serveur, parce que je suis finalement en partenaire avec le serveur. Donc, merci en tout cas d'avoir regardé cet épisode. N'hésitez pas à liker et à vous abonner à la chaîne. N'hésitez pas à me rejoindre sur Discord si le contenu vous plaît. Et moi, je vous dis ciao tout le monde.